m'aurait dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas regarder ça, il n'aurait même pas voulu regarder. Aujourd'hui, on montre ça à des gamins de 15 ans, voire moins. Pourquoi ? Parce que la capacité à voir des choses abominables est devenue très grande, mais ça veut dire que la sensibilité des gens est devenue de moins en moins grande. Essentiellement, selon des théories qui viennent du marketing américain, d'ailleurs de ce qu'on appelle la lifetime value, ça vise à fidéliser des consommateurs à des marques, à des modèles comportementaux, pour pouvoir contrôler leur comportement et leur pouvoir d'achat le plus longtemps possible. En 2004, dit ce que TF1 vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Effectivement, il change la donne, c'est-à-dire que pour la première fois, le patron d'une grande chaîne de télévision va admettre que la logique économique prime sur une logique culturelle, donc juste un prétexte pour remplir d'argent les poches de la régie publicitaire. Disponible. Qu'est-ce que ça veut dire, temps de cerveau disponible? Même les gens qui n'ont pas pris le temps d'y réfléchir comprennent au moins de manière intuitive que ça veut dire temps de cerveau sans.